Les cinémas anglais n'ont pas montré ces images pendant la guerre. On y voit les troupes japonaises à vélo, forçant les Anglais à battre en retraite. Cette armée avait subi d'autres revers depuis 1939, mais ce fut sans doute le plus humiliant. Et tout ça parce que l'officier britannique avait dérogé à cette règle d'or de l'art de la guerre : ne jamais sous-estimer l'ennemi. Les militaires peuvent sous-estimer l'armée ennemie de diverses façons. Présumer de la supériorité de leur puissance de feu ou de leur capacité à manœuvrer plus habilement. Ils croient que leur volonté de vaincre est plus forte ou qu'ils se battent pour la bonne cause. Mais les préjugés sont de loin leur plus grave erreur. Mépriser l'ennemi pour ce qu'il est ou ce à quoi il ressemble mène souvent au désastre. À l'apogée de l'Empire britannique, 12 000 soldats de Sa Majesté envahissent le royaume Zoulou. Les Anglais veulent développer l'Afrique du Sud et les Zoulous gênent leur plan. On va donc leur infliger une guerre éclair. À la bataille de Roark Drift, cette audace semble payante. Une escouade de soldats britanniques fait échec à une armée de plusieurs milliers d'Africains. Peinture, poésie et cinéma se chargeront d'immortaliser leur exploit. Mais curieusement, la bataille précédente eut moins d'écho. La bataille d'Isandlwana. Ici, le 21 janvier 1879, l'impensable est arrivé. Les guerriers zoulous décimèrent les troupes britanniques lors d'une bataille que les Anglais étaient sûrs de gagner. Ce jour-là, les Anglais étaient inférieurs en nombre, certes, mais se montrèrent surtout de bien piètres stratèges. I think that there's a psychology which pervades the British, which resulted in this catastrophe. Cette catastrophe est due à cette mentalité anglaise latente, qui se traduit par une suffisance, une sous-estimation des ennemis, qui n'étaient guère plus à leurs yeux que de courageux sauvages. Ce jour-là, la colonne britannique, aux ordres de Lord Chelmsford, ami de la reine Victoria, avance vers la capitale Zoulou. Le soir venu, Chelmsford fait dresser le camp pour la nuit au pied du mont Isandlwana. Et persuadé que l'armée Zoulou ne représente aucune menace, il néglige les précautions les plus élémentaires. Chelmsford failed to entrench the camp. Chelmsford ne protège pas le camp. Il ne fait creuser aucune tranchée de protection, contrairement aux ordres stricts du général, et désobéit ainsi ouvertement au règlement en vigueur. Il sera blâmé pour avoir oublié cette tranchée. Il ne dispose même pas les chariots en cercle défensif. L'histoire le condamnera pour cette négligence. Cette caricature de l'époque traduit l'arrogance, le sentiment de supériorité d'une armée de métiers bien entraînée. Pourquoi un tel désastre dans cette campagne? C'est inexplicable.
les envahisseurs britanniques pensent appartenir à l'armée la plus puissante au monde. Toute l'armée britannique, de Lord Chelmsford au simple soldat, tous étaient convaincus de leur supériorité. Avec leur peau blanche, leur discipline et leur avantage technologique, ils se croyaient supérieurs à tout le monde. Bien sûr, leur armement était de très loin supérieur à celui des Zoulous. C'est peut-être une remarque raciste, mais pour eux, c'était des sauvages. Ils pensaient qu'ils allaient s'enfuir au premier coup de feu, et ils ont été surpris de la réaction. Le roi des Zoulous ne voulait pas de cette guerre, mais il l'avait préparée. Les Zoulous ont une grande tradition militaire. Ceux qui les avaient vus à l'œuvre redoutaient ces guerriers. Les colons blancs avaient prévenu Chelmsford de leur prouesse, de leur rapidité, de leur endurance, de leur talent à combattre en grand nombre, habilement déployé. Mais de l'Afrique, Chelmsford ne connaissait que la région du Cap, où l'ennemi pratiquait la guerre de harcèlement, de coups de main. Il était convaincu que les Zoulous feraient de même et qu'ils seraient obligés d'aller le débusquer. N'imaginant jamais que les Zoulous oseraient l'affronter, il envoya une patrouille à leur recherche. Les Zoulous vont utiliser une tactique que les armées modernes pratiquent toujours. Ils montent une embuscade. Les éclaireurs voient cette pauvre patrouille approcher de leur avant-garde. Que font-ils? Ils envoient quelques hommes comme appât et incitent les Anglais à tirer quelques coups de feu, puis disparaissent dans les hautes herbes. Napoléon aurait dit « Le général qui gagne la bataille est celui qui commet le moins d'erreurs ». Et de fait, les officiers Zoulous ont commis très peu d'erreurs. Alors que du côté anglais, la liste est sans fin. À 1h30, cette nuit-là, Chelmsford apprend que la patrouille a trouvé les Zoulous. Il ordonne à la moitié de sa troupe de se préparer à quitter le camp. À 4h30, Chelmsford prend la tête de ses hommes pour rejoindre la patrouille, laissant une défense amoindrie au camp, et part dans la mauvaise direction. Le piège Zoulou a réussi. Les Anglais ont pris toute l'affaire à la légère. La meilleure preuve, c'est que Lord Chelmsford lui-même, pour le petit déjeuner, le matin même, avait fait sortir toute l'argenterie. C'était vraiment de leur part une preuve de mépris. Quand le jour se lève, Chelmsford est à des lieues de la bataille qui se prépare. Il a laissé le commandement du camp au lieutenant-colonel Henry Poulen, un pur produit de l'administration militaire. Il n'a jamais vu un champ de bataille. Poulen est dans sa tente, à côté de celle de Chelmsford. Soudain, une sentinelle arrive de là-haut avec une nouvelle stupéfiante. Il salue et annonce « Mon colonel, il y a des milliers de Zoulous massés au sommet du plateau et menacent le flanc gauche du camp. » Poulen se précipite et ordonne à ses hommes d'abandonner leur petit déjeuner pour se mettre en position de défense. Les soldats renâclent à se lever de table. Ni eux, ni leurs officiers ne semblent inquiets. L'un des officiers survivants écrira plus tard : Nous avions déjà vu des troupes nombreuses près du Cap et nous n'étions pas inquiets. Nous n'avons pas cru une seule seconde que les Zoulous allaient attaquer. Ils auraient dû être inquiets, très inquiets. Le gros de l'armée Zoulou, forte de 25 000 hommes, campe à 6 km du camp. Les Zoulous ont réussi l'attaque surprise par excellence.
L'armée était massée derrière ce plateau. Il se peut même qu'elle se soit tenue cachée là depuis déjà plusieurs jours. À 11h30, une patrouille anglaise monte vers le plateau. Ils vont avoir le choc de leur vie. On a la chair de poule en entendant ces hommes crier « Mon Dieu !» Ils freinent leurs chevaux devant l'immense plaine qui s'ouvre devant eux, atterrés par le spectacle. Dans la plaine, à leurs pieds, le long du ruisseau Ingwabini vers l'est, jusqu'à perte de vue, accroupis derrière leurs grands boucliers, les régiments disciplinés de la grande armée Zoulou attendent dans un silence absolu. Ils ont dû être glacés d'effroi. Quand la patrouille anglaise découvre l'armée Zoulou, réaction de peur ou de bêtise, les 30 hommes font feu sur les 25 000 guerriers. La riposte est fulgurante et terrible. L'un après l'autre, les régiments se mettent en marche. La patrouille fuit vers le camp, poursuivie par une aile de l'armée Zoulou. La nouvelle parvient très vite à Henry Poulain. Poulain se dit : j'ai 1774 hommes, dont 1000 vétérans, armés de fusils Martini Henry à chargement rapide, capables de tirer 12 coups par minute avec des balles de plomb de 39 grammes, précis jusqu'à 800 mètres. Dans cette tente, il est sûr de lui. Que les Zoulous chargent donc. On va les massacrer à découvert. Les soldats anglais commencent à dérouler leurs procédures bien huilées. Mais les Zoulous leur réservent d'autres surprises. À 12h40, un soldat détourne soudain les yeux de la ligne d'attaque ennemie. La tactique traditionnelle Zoulou, les fameuses cornes de taureau, se met inexorablement en place. Le deuxième flanc de leur armée vient de surgir. Les guerriers Zoulous se déploient en cornes de taureau. L'armée se met en place du centre vers les ailes. La poitrine et les deux cornes forment la ligne d'attaque. Bientôt, les cornes du taureau et la poitrine sont solidement en place. L'étape suivante, quand les cornes se referment, s'appelle manger l'ennemi. Cette tactique oblige les Zoulous à charger droit sur le feu anglais. Leurs pertes sont énormes, mais ils continuent d'avancer. Car un autre facteur joue en leur faveur, la motivation. Ils savaient tous qu'une armée étrangère avait envahi leur terre. Des étrangers avaient forcé la porte de leur maison et pénétré chez eux. Ces guerriers l'avaient compris et fonçaient dans cette vallée à l'assaut des fusils pour tuer ces soldats. On peut appeler ça une charge. Vous imaginez une charge sur cette distance ? À travers cette vallée, droit sur la ligne de tir, terrible épreuve. Mais il fallait chasser les intrus. Mais soudain, la progression Zoulou ralentit. Les fusils Martini Henry ont eu l'effet escompté. Au début de la bataille, les Anglais pensent l'emporter. Les soldats ont bon moral. Ils plaisantent et sont convaincus qu'ils vont infliger une sévère correction aux Noirs. De l'avis général, la bataille va se dérouler conformément à leur désir. Les Zoulous sont stoppés, incapables d'avancer. Ils se cachent dans les hautes herbes. Mais un vieux chef descend du plateau, se place devant les guerriers et leur hurle d'avancer. Votre roi ne vous a pas donné l'ordre de vous cacher, mais de vous battre. Le grand-père de mon père a combattu ce jour-là. Il se battait là-bas, dans ce coin. Il a tiré un ennemi dans le trou pour essayer de le tuer. Leur lutte a dû être terrible.
Et pour finir, c'est lui qui est mort. Il est mort ici, à cet endroit même. Les Zoulous repartent à l'attaque et les cornes se referment. Sous la formidable poussée de l'armée Zoulou, la ligne de défense anglaise est enfoncée. Les munitions viennent à manquer, les fusils s'enrayent. Certains bataillons de recrues noires prennent la fuite. Les Zoulous avancent toujours et la défense anglaise cède pour de bon. Chinuayo, le général Zoulou, constate la réussite de son plan depuis le haut du plateau. C'est son heure de gloire. Ce fut une bataille gigantesque et les Anglais auraient pu l'emporter. Mais toutes les subtilités de l'art militaire entrèrent en jeu. Tactique, soldats, utilisation du terrain, mobilité, communication. Fort peu côté anglais et bien plus côté Zoulou. Et ça a été la grande journée des Zoulous. Je suis convaincu qu'il faut voir cette bataille ainsi. Il faut arrêter de raconter que ces pauvres Anglais ont été écrasés sous le nombre par des hordes de sauvages dont les boucliers noircissent l'horizon. Lisez les poèmes de l'époque. Foutaise. C'était des êtres humains courageux, intelligents, exécutant avec brio une manœuvre remarquable mise au point par des officiers géniaux. Et ils ont gagné. En 2 heures. L'armée britannique moderne a été balayée. Les soldats anglais n'ont aucune chance. Ils sont dépassés en nombre et en tactique. Les uns après les autres, ils tombent. Quand il apprend qu'on a entendu des coups de feu du côté du camp, Lord Chelmsford ignore la nouvelle. « Très drôle », dit l'un de ses officiers. Et puis, au moment où la bataille touche à sa fin, le ciel s'obscurcit. Une éclipse. Quand Chelmsford revient au camp plusieurs heures plus tard, il est accueilli par des cadavres. Il a perdu 1300 hommes. La plupart des soldats qui ont pris part à cette bataille ont en fait été piégés. Piégés par la bêtise et l'arrogance de leurs officiers. Bloqués, loin de tout, isolés, sans chevaux pour fuir comme tant de leurs officiers, ils ont été massacrés. L'histoire a oublié ces soldats dévoués, acculés le dos à cette montagne. C'est tragique. C'est le refus de Chelmsford de reconnaître le talent de l'ennemi qui a coûté la vie à ses hommes. Cette attitude ronge les militaires européens depuis très longtemps. Et c'est une faute majeure. Ils n'arrivent pas à comprendre que les origines, la couleur de la peau, n'ont aucune importance. Ce qui importe, c'est la qualité de l'entraînement et la qualité des officiers. C'est la seule chose qui compte. Pour les Anglais, Issan Luana n'est qu'une aberration. Ils n'en tireront aucune leçon. Et au XXe siècle, l'armée britannique et ses officiers continueront de sous-estimer leurs ennemis et d'en payer le prix. Ainsi, en 1942, le général Arthur Percival sera l'architecte de l'une des plus retentissantes défaites anglaises de l'ère moderne, en se trompant sur les forces et les intentions de son adversaire et ce faisant en privant ses hommes de la volonté de se battre. Avant la Deuxième Guerre mondiale, Singapour était le bastion anglais en Extrême-Orient.
Dans les années 30, l'Angleterre avait transformé l'île en véritable forteresse. Une immense base navale protégée par d'énormes canons pointée vers la seule et unique voie d'invasion imaginable, la mer. On nous répétait sans cesse, Singapour ne tombera jamais. C'est la fierté de l'Empire britannique. Avec tous ces canons face à la mer, si des ennemis arrivent par là, ils n'auront aucune chance de prendre Singapour. Pour eux, cette forteresse ne tomberait jamais. L'arrogance britannique est à son comble. Ils savent même quel serait l'ennemi et n'ont aucune crainte. Les Anglais méprisaient les Japonais. Petits, myopes, sujets au vertige, incapables de conduire des engins lourds, avec une armée très mal équipée. Et ils croyaient tous à cette caricature. L'invasion de la Chine en 1937 aurait dû sonner comme un signal d'alarme, mais ils persistent dans leur sentiment de supériorité. Grâce au rapport sur la guerre en Chine, les Anglais savaient que les soldats japonais étaient intrépides, spartiates, qu'ils pouvaient être brutaux, mais aussi très efficaces. Mais comme c'est très souvent le cas, les gens lisent les informations, mais n'y croient pas, car elles ne leur conviennent pas. On en revient toujours à cette sous-estimation de l'ennemi. On admet généralement que l'invasion japonaise a pris les Britanniques par surprise. Certes, tous ces canons braqués vers la mer pointaient dans la mauvaise direction, mais on savait depuis des années que la stratégie de défense de Singapour était une navrante hérésie. Jusqu'au XXe siècle, la mer était la seule voie d'invasion possible de Singapour. Au nord, l'île bénéficiait d'une solide protection naturelle, la jungle impénétrable de Malaisie. Mais ce pays était devenu un des principaux producteurs mondiaux de caoutchouc, et la jungle malaise était désormais sillonnée par tout un réseau routier facilitant l'accès aux hommes d'affaires et aux envahisseurs. On avait construit des routes, le réseau ferré avait été agrandi, on avait défriché la jungle pour les plantations de caoutchouc. À la fin des années 30, il était possible à un ennemi potentiel de traverser la Malaisie pour envahir Singapour par le nord. En 1937, les Anglais avaient même demandé un rapport qui prédisait exactement comment les Japonais envahiraient. Mais le gouvernement, rechignant à dépenser de l'argent et persuadé de l'inanité d'une menace japonaise, n'avait rien fait. C'est le lieutenant-général Arthur Percival qui commande l'armée de Singapour. Officier d'état-major dans les années 30, il avait largement contribué à la rédaction du rapport de 1937. Mais il estimait n'avoir aucun moyen de contraindre Londres à agir. Percival aurait dû protester vigoureusement et prévenir qu'il ne pouvait espérer pouvoir défendre la Malaisie et Singapour avec des effectifs aussi faibles. Mais Percival était, comment dire, un soldat obéissant et faisait ce qu'il croyait être le mieux avec les moyens dont il disposait. Percival était un chef trop faible. Il avait été un capitaine très courageux pendant la Première Guerre mondiale, mais son talent s'arrêtait là. C'était aussi un esprit sectaire. Il détestait les officiers qui n'avaient pas fait l'école supérieure de guerre. C'était un mélange de snobisme militaire et de frilosité devant les responsabilités. Le général Simpson, officier du génie, supplia, conjura Percival de faire fortifier Singapour. Une première fois, Percival rejeta sa requête. La deuxième, il recula, prétextant que fortifier la ville démoraliserait la population et saperait l'ardeur combattante de l'armée en lui donnant une mentalité d'assiégé. Et cette incompréhension entre Simpson et Percival a eu des conséquences tragiques, car Simpson avait raison. «
Un chef doit dire la vérité à ses hommes. Il doit dire, voilà la menace et voilà comment nous allons agir. Si vous ne le faites pas, si vous minimisez la menace alors que l'ennemi se révèle très offensif ou redoutable, l'impact est terrible sur le moral des troupes. On leur avait dit qu'il n'y avait rien à craindre et tout d'un coup l'ennemi est là. C'est dévastateur. Le 8 décembre 1941, à l'aube, les Japonais lancent leur attaque. Tout va bien pour les Japonais et tout va mal pour les Anglais. Et dans les deux camps, tout va très vite. Les Japonais enfoncent la défense anglaise en Malaisie en 4 jours, en 100 heures. À 300 km au sud, un calme surprenant règne à Singapour. Singapour brillait de tous ses feux. Les soirées étaient bondées, la vie continuait. C'était le plus beau Noël de Singapour. Tous nos stands de tir étaient équipés de cibles en forme de soldats allemands. Et pendant qu'en Malaisie, nos copains se battaient pour leur vie, nous, à Singapour, on faisait du tir de foire. La vie mondaine battait son plein alors même que les Japonais fonçaient sur Singapour. Les soirées se succédaient à l'hôtel Raffles, les clubs étaient bondés. C'était l'aveuglement collectif. Ils croyaient qu'un miracle allait stopper l'avance japonaise dans la péninsule malaise et que Singapour n'avait rien à craindre. En revanche, Churchill, lui, est inquiet. Il envoie le cuirassé Prince of Wales et le croiseur Repulse en renfort. Mais les Japonais coulent les deux navires peu après leur arrivée. L'aviation est clouée au sol et toutes les forces de défense sont en déroute. Le général Wavell, nouveau commandant du Pacifique, choisit ce moment pour rendre visite à Percival. Le général Wavell lui demande sans ménagement, « Pourquoi n'avez-vous rien fait ?» Et Percival répond, « J'avais peur que les civils croient l'armée incapable de résister dans le Nord. Ils auraient été démoralisés. » Wavell, et on comprend sa fureur, réplique d'un ton acerbe, « Ce sera bien pire pour leur morale quand les troupes japonaises se précipiteront sur le pont et sur la côte sans défense. » À mesure que les troupes japonaises approchent de l'île, les raids aériens s'intensifient. Cette fois, c'en est fini des balles de l'hôtel Rifle. Un manteau de fumée noire enveloppe l'île. Les cadavres jonchent les rues. Les hôpitaux débordent de victimes des bombardements et de blessés du front nord. Les Japonais commencent à larguer des bombes incendiaires. L'une d'elles tombe sur un hôpital indien et fait 700 morts. La situation devient alors incontrôlable. Et quand l'ennemi coupe la distribution d'eau, Percival se contente de baisser les bras. Il ordonne aux troupes de se replier sur l'île, en deçà du pont, pour attendre l'arrivée des Japonais. La chute de Singapour n'était pas une première pour l'Empire britannique et son armée. C'était déjà arrivé. Il y avait déjà eu Bunker Hill, près de Boston, puis Zandelwana en Afrique du Sud. Les soldats de l'Empire ont payé un prix exorbitant pour avoir sous-estimé des ennemis qui étaient différents d'eux, qui ne s'habillaient pas comme eux, ne réagissaient pas comme eux, ne se battaient pas comme eux. La débâcle de Bunker Hill a marqué le début de la fin du premier empire britannique. La chute de l'île de Singapour sonnait à terme le glas de son dernier empire. Les Japonais pilonnent Singapour. Le moral des soldats est au plus bas. Se sentant trahis par le manque de préparatifs, ils sont nombreux à avoir perdu l'ardeur de se battre. Percival avait scellé la défaite de ses troupes avant même que les Japonais prennent pied sur Singapour. L'armée de Percival se désagrège littéralement dans ses mains. Déçus à de multiples reprises par un chef qui ne comprend rien à rien et qui ne leur donne aucun moyen de se battre efficacement, les soldats décident de prendre leur sort en main. Nombre de soldats tentent d'embarquer sur le dernier navire en partance. On raconte que les déserteurs doublent femmes et enfants sans ménagement.
D'autres vont traîner dans les docks, se livrent au pillage et à l'alcool, et refusent de retourner au front. Je doute que Percival ait disposé de plus de 60% de ses troupes en ordre de combat, prêtes à se battre le jour où il a capitulé. Le général Yamashita installe son QG dans l'usine Ford et ordonne à Percival de venir avec un drapeau blanc. En signant sa reddition, Percival met fin à l'influence anglaise en Extrême-Orient et condamne ses hommes au camp japonais. Lui-même reviendra de détention, mais des milliers d'hommes y laisseront la vie. Qu'ils aient combattu ou déserté, tous subirent le même sort. Ils avaient perdu. Mais dans les annales des erreurs militaires, l'arrogance désastreuse n'est pas l'apanage des Britanniques. D'autres armées ont eu autant de mal à apprendre à ne pas sous-estimer l'ennemi. Et au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ce sentiment de supériorité a été dopé par les gigantesques progrès technologiques en matière d'armement. Les armées occidentales sous-estiment souvent leur adversaire. Elles ont tendance à tout miser sur la technologie. C'est la solution, la panacée. Elle permet de garder l'ennemi à distance, de le frapper sans qu'il puisse riposter. Cet excès de confiance dans la technologie, dans la puissance de feu, la maîtrise du ciel, la logistique moderne, est souvent la cause des défaites militaires occidentales contre des ennemis différents, que Kipling aurait qualifiés de races inférieures sans loi. Voici l'armée qui affronta la première superpuissance mondiale et refusa la défaite. L'armée qui expulsa ses colonisateurs. L'armée du Vietnam. Voici l'armée française qui croyait pouvoir la vaincre. Et voici la garnison qui devait la protéger. La forteresse de Dien Bien Phu. Et voici la bataille que les Français ont perdue. La victoire vietnamienne de Dien Bien Phu allait entraîner la chute du gouvernement et consacrer la décolonisation de l'Indochine et portait en germe la guerre avec les États-Unis. Mais en 1953, les Français restent confiants. Ils savent que leurs jours sont comptés, mais ne veulent pas laisser le Vietnam aux communistes. Ils comptent les écraser à Dien Bien Phu. Tout commence par une gigantesque opération aéroportée. 2000 parachutistes français sautent à 200 km derrière les lignes ennemies. Leur mission, sécuriser une série de collines qui surplombent une piste d'atterrissage. Le plan de bataille est l'œuvre du général Henri-Eugène Navarre. Il s'agit d'établir un camp retranché en plein territoire ennemi. Depuis cette base, Navarre compte ou bien débusquer les Viet Minh, ou bien les attirer sous la puissance de feu française, ravitaillée en permanence par une noria aérienne. Alors il y a eu le fameux plan Navarre, en disant si j'occupe Dien Bien Phu dans cette montagne, moins de tout, en enterrant des gens, le Viet se cassera la figure à essayer d'attaquer ça, quoi. C'était en gros, si vous voulez, le plan Navarre, attirer les Viet et les détruire, quoi. Voilà donc pourquoi Dien Bien Phu a été choisi. Pour commander la garnison, Navarre choisit l'aristocratique colonel Christian-Marie Ferdinand de la Croix de Castres, qui, selon la rumeur, aurait dit « Pour vivre heureux, l'homme a besoin d'un cheval à monter, d'un ennemi à tuer et d'une femme dans son lit. » Ses ennemis, eux, ont une conception plus austère de la guerre.
8000 communistes vietnamiens vont mourir à Dien Bien Phu. Mais comme Aïssan Luana, c'est leur motivation qui fera toute la différence. Les soldats français avaient commis d'innombrables atrocités. Ils avaient violé nos femmes. Et nous, les Vietnamiens, nous étions prêts à tout pour nous venger. Pour cette épreuve de force, Navarre a choisi cette cuvette, une vallée perdue à l'extrême nord-ouest du Vietnam. Les collines fortifiées sont baptisées de prénoms féminins. Eliane, Dominique, Gabrielle, Anne-Marie, Béatrice. Les maîtresses du colonel de Castres, selon les mauvaises langues. À la veille de l'effondrement de leur empire colonial, les Français croient détenir la supériorité militaire absolue. Ils ont l'artillerie et les avions. Les Vietnamiens n'ont rien. Voici l'artisan de la défaite française, le général Vo Nguyen Giap. Il doit acheminer ses forces jusqu'à Dien Bien Phu et les ravitailler. Et le plan qu'il élabore est l'un des chefs-d'œuvre logistiques de l'histoire militaire. À mon avis, les Français ne croyaient pas le général Giap capable d'acheminer des armes et des munitions sur une telle distance pour organiser un siège et se battre. Mais Giap a su trouver le point faible des Français. C'était, je crois, un très grand général et il s'est montré plus malin que l'ennemi. Giap sait parfaitement que les Français jugent les Vietnamiens incapables de les arrêter. Et il sait qu'ils ont tort. Le plan navarre dépend de la supériorité française en matière de puissance de feu et de ravitaillement. Les Français espéraient attirer Giap en terrain découvert et lui faire subir la puissance écrasante de leur artillerie pour le réduire à néant. Et bien sûr, une fois sur place, c'est Giap qui a écrasé les Français car il était, lui, en mesure de ravitailler ses troupes, pas les Français. Giap recrute des milliers de villageois vietnamiens. Il fait acheminer le matériel sur plus de 600 km jusqu'à Dien Bien Phu. Le transport se fait à pied et à vélo. Il a l'ambition incroyable d'encercler la forteresse française avec une armée de 40 000 soldats. Il faudra tous les nourrir. L'état-major du corps expéditionnaire français estimait que cette tâche serait très difficile pour nous. Il avait raison. Mais il avait tort de la croire insurmontable. Pour transporter un kilo de nourriture jusqu'à Dien Bien Phu, sur 600 ou 700 km, nos hommes devaient en consommer 24. Des milliers d'armes sont démontées et acheminées sur des vélos équipés de cadres en bambou. Ce sera la première piste aux chimines. Elle va servir à battre les Français. Des années plus tard, la deuxième piste aux chimines servira à battre les Américains. Au total, 300 000 personnes contribueront à cette gigantesque ligne logistique. Giap a acheté de gros canons de 105 à l'URSS et à la Chine. Les Français ne les attendaient pas à Dien Bien Phu. Moi, je me disais, Giap, il va laisser tomber Dien Bien Phu, puis il va en contourner. Il va aller se battre ailleurs. On aurait eu bonne mine aussi, là. Non, il a préféré attaquer, là, fallait le faire aussi, quoi.
Mais je pense que le haut commandement ne l'avait pas prévu. Et même moi qui avais l'habitude, je ne pensais pas qu'il mettrait autant de force et sacrifier autant de vies humaines pour prendre Dien Bien Phu. Diap lance sa grande offensive 3 mois après le parachutage des premières unités françaises dans la cuvette. L'artillerie, acheminée à grand-peine jusqu'ici, a un impact dévastateur sur les Français. Dans toutes les batailles, l'artillerie a un impact autant psychologique que physique. Un ennemi qui peut frapper au cœur de vos positions, écraser vos bunkers, pilonner vos barbelés, bousculer vos lignes, a une puissance phénoménale. Et l'impact est encore plus fort si vous l'avez sous-estimé. C'est ce qui s'est passé à Dien Bien Phu. La garnison a compris qu'elle affrontait un ennemi particulièrement puissant. Le colonel Pirot, chef de l'artillerie française, est hors de lui. Il était persuadé que la puissance de feu vietnamienne ne surpasserait jamais celle des Français. De rage, il se suicide avec une grenade. Les 17 000 hommes de la garnison sont maintenant assiégés par un ennemi 3 fois supérieur en nombre. Mais les Français croient encore que leur aviation et leur supériorité technologique l'emporteront. Et le général Diap comprend vite qu'il ne doit pas sous-estimer cet atout. Après ce déluge d'artillerie, Diap lance son infanterie en assaut répété contre les positions françaises. Mais il réalise que ses pertes humaines sont trop lourdes. Si nous avions utilisé une tactique de combat rapide et frontale comme l'ennemi l'espérait, nos troupes auraient été broyées. C'était la boucherie assurée. Nous avons donc retiré temporairement l'infanterie et l'artillerie pour faire le point. Nous devions changer de tactique. Et ça a été la décision la plus difficile de toute ma carrière d'officier. Diap décide d'encercler Dien Bien Phu d'un réseau de tranchées pour se rapprocher peu à peu des positions françaises. Les fusées éclairantes de l'ennemi illuminaient la nuit. On y voyait comme en plein jour. On creusait les tranchées en file indienne derrière nos officiers. On creusait très vite, avec les mains et les pieds. Heureusement, c'était de la terre et pas du rocher. Quand l'ennemi tirait, on plongeait dans les tranchées pour se protéger. En moins d'un mois, les tranchées coupent la piste d'atterrissage, cordon ombilical des assiégés. Les Français n'ont plus d'issue. La garnison n'est plus ravitaillée que par parachutage. Et sur ce plan aussi, les Français ont sous-estimé l'ennemi. Diap dispose d'une puissante artillerie anti-aérienne, servie par des hommes parfaitement entraînés. La précision des tirs contraint les avions à voler de plus en plus haut. Et inévitablement, les largages atterrissent souvent dans les lignes ennemies. Les soldats de Diap entassent bientôt les stocks d'alcool et de fromage français, et surtout d'armes françaises. Les Vietnamiens récupèrent même les médailles de promotion destinées à De Castres. Les assiégés commencent à manquer de vivres, de médicaments et de munitions. Mais les ordres restent inchangés. Il faut tenir. Perdre la forteresse est inconcevable. Le siège de Dien Bien Phu dure 56 jours. Dans les bunkers, le moral des Français se détériore aussi vite que leurs conditions de vie. De Castres, chef de la garnison, se réfugie dans son QG et refuse de parler à quiconque. Le moral devait être vraiment très bas, en voyant qu'il n'y avait aucune issue. Le dernier avion de blessés avait décollé 6 semaines avant la fin, et les autres s'entassaient dans des bunkers crasseux, humide, plein d'excréments, grouillant de vermine en pleine mousson à attendre la mort. Une par une,
Gabriel, Béatrice, Eliane et la totalité des 49 positions françaises tombent. Les 750 pièces d'artillerie et les 500 tonnes de barbelés sont impuissants à arrêter les forces de Diap. Il a été sous-estimé par le commandant. Mais je ne pensais pas que Diap aussi vite aurait créé une armée comme ça, des divisions offensives, parce qu'il vous attaquait à 3-4 régiments, vous tiriez là-dedans. Les autres venaient derrière, ça continuait malgré les pertes. Quoi. Donc vous étiez submergé par des gens fanatiques, très entraînés, puis des chefs derrière qui commandaient. C'est comme sur un stade, vous êtes le joueur, puis il y a tous les gradins autour. Alors pour peu que les gradins vous pétrolent, ils tuent tous les joueurs. J'étais dans la première vague d'attaque contre le bunker du commandement ennemi. J'ai regardé l'intérieur et j'ai vu sortir le général de Castres. Il tendait le bras comme s'il voulait me serrer la main. J'ai été surpris et j'ai crié « Main en l'air !» Il a levé les mains en prononçant une longue phrase en français. Je n'ai rien compris. Mais M. Luat m'a traduit ses paroles. « S'il vous plaît, ne tirez pas, nous nous rendons. » La garnison de Dien Bien Phu avait été largement financée par les États-Unis. La victoire vietnamienne avait coûté une colonie aux Français et 385 millions de dollars aux Américains. Mais à terme, les États-Unis allaient perdre beaucoup plus en s'embourbant dans une guerre qu'ils ne pouvaient gagner. Eux aussi ont payé le prix fort pour avoir sous-estimé l'ennemi. Sous-estimer l'ennemi entraîne toujours la défaite. Ce mépris est souvent fils de l'ignorance, mais il naît tout aussi souvent de l'arrogance. Et cette arrogance perdure au-delà de la défaite, car les vaincus repeignent les vainqueurs à leur image. Il y a souvent le même retournement d'attitude envers leur ennemi chez les armées occidentales. On le constate à Isandlwana, à Singapour et à Dien Bien Phu. Les Occidentaux commencent par sous-estimer l'ennemi. Puis quand ce mépris subjectif fait place à la compréhension brutale de la réalité, ils renversent leur jugement et tendent à surestimer leur adversaire. Car quelle gloire y a-t-il à se faire battre par une armée qu'ils ont dénigrée haut et fort? Donc, quand ils perdent une bataille, ils ont tout intérêt à exalter les mérites de leur vainqueur, à s'extasier sur les vertus et la noblesse de ses guerriers. Noble warrior.